Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux produits que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de l'élixir capillaire concentré précieux du laboratoire Fitema et du baume démêlant protecteur du même laboratoire. Alors, ces deux produits sont bio, ce qui est totalement logique car si vous connaissez mon profil, vous savez parfaitement que je préfère les produits bio. Alors, cet élixir est particulièrement efficace sur les cheveux qui sont abîmés. Si vous faites des mèches, des colorations, si vous allez à la plage avec le sel, l'eau de mer, si vous allez encore pire à la piscine avec le chlore, si vous utilisez un séchoir trop chaud, si vous faites des brushings, des lissages, des bouclettes, que sais-je encore, eh bien, vous allez vous retrouver avec des cheveux fragilisés, rêches, sans vie, pas beau du tout. Et si en plus vous avez le réflexe de mettre des masques ou des baumes réparateurs à base de silicone, eh bien, plus vous mettrez de silicone, plus vos cheveux seront cassants, abîmés, électriques et ce sera épouvantable. Alors pour casser ce cercle vicieux, je vous conseille vraiment cet élixir qui répare vraiment la fibre capillaire en profondeur, qui va nourrir, hydrater et réparer. Alors, je n'ai pas les cheveux spécialement abîmés, mais je l'utilise quand même pour les pointes, puisque moi, je les porte très longs. C'est un produit qui se met très facilement. Il y a un petit flacon pompe. Vous mettez 2-3 pressions dans le creux de votre main. Vous chauffez un petit peu comme ça. Et vous mettez sur vos cheveux aux endroits qui sont abîmés. Si tous vos cheveux nécessitent un traitement, n'hésitez pas à le mettre partout. Ensuite, vous le laissez poser minimum une heure. Certaines personnes le gardent la nuit complète. Bon, ce sont des huiles sèches, mais je pense quand même qu'il faut protéger votre tête de lit et votre oreiller parce que vous risquez quand même d'avoir des petits dépôts gras. Ensuite, vous prenez votre douche. Hein, une fois ce laps de temps de pause passé, vous prenez votre douche. Vous faites votre shampoing et ensuite, vous mettez ce baume qui est, selon moi, vraiment le meilleur baume démêlant pour le moment. C'est vrai que j'en ai essayé vraiment beaucoup et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il laisse les cheveux vraiment légers, hydratés. Et puis je ne sais pas, quelquefois je l'utilise seul d'ailleurs, même sans mettre ce produit, puisque celui-ci je l'utilise une fois par mois et celui-là je l'utilise vraiment à chaque shampoing. Et je trouve qu'il gaine le cheveu, il le rend comme plus fort, plus gros. C'est finalement comme si la structure de mes cheveux avait changé. J'ai l'impression d'avoir par moments des cheveux d'asiatique, quoi, des cheveux vraiment forts. Et de ce fait, ils se mettent en place beaucoup plus facilement. Avant, je mettais quand même du temps à faire mon brushing. Maintenant, franchement, je prends une mèche, je place ma brosse en dessous, mon séchoir dessus, hop, je mets en place et ça tient. Et franchement, moi j'aime beaucoup le résultat. Je vais vous montrer hein, quand même, parce que c'est vrai que parler c'est bien, mais montrer c'est encore mieux. Alors, le bout est effilé, hein, je pense qu'ils ont besoin d'être coupés. Donc vous voyez, ils sont quand même en bonne santé, compte tenu de mon âge, hein, je n'ai quand même plus 20 ans. Et en plus, je les éclaircis, certes avec une méthode bio, dont je parle d'ailleurs dans une autre vidéo, mais ça les abîme quand même forcément. Côté coût, l'élixir coûte environ 15 € et le baume démêlant, je crois que c'est dans les 17, donc des prix finalement plutôt raisonnables compte tenu de la qualité et du fait que ce soit des produits bio. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aussi aurez envie de tester ces produits et de venir mettre vos commentaires sous cette vidéo. À bientôt !